Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va. Bienvenue sur Watch Dogs Légion pour la suite du Let's Play. Allez, on y va tout de suite, sans plus tarder. On va devoir suspendre notre filature pour l'instant, vous êtes paré à combattre? Absolument. C'était une question rhétorique. Alors... Allez, on va reprendre la mission principale. Non, ouais, ne me fais pas on de va mal. aller au à Tower Bridge. Allez, dehors! Ceci est le hub de communication principal d'Albion, mais il est mieux protégé que la réserve de coke de la famille royale. Commencez donc par détruire leurs appareils de cryptage. Et si vous êtes une quiche en piratage, je vous suggère d'accaparer un ou deux drones de combat. Reçu 5 sur 5. Ok, bon. Là-haut. Alors, ensuite, là-haut. Pouvoir monter, hein, c'est pas possible. Ah voilà, ici. Allez, montre-toi. Le suspect a disparu.
là-bas. Oh, non, oh, chien. Ça a l'ordure. Non. Là, cette personne a un plan. Alors, ensuite... ça, on s'en fout. Ah, c'est pour moi, merci beaucoup. Ok. Bon, comment j'arrive à monter là? C'est quoi? Merde, j'arrive pas à monter. Ah, ici. Mais bon. Premier. Un détruit. Suivant. La deuxième. C'est le dernier appareil de cryptage. Vous pouvez à présent transférer le virus via l'antenne centrale. Entendu. Transférer le virus. C'est parti. Je détecte des drones en approche. Oh merde. Des drones tennis ?
Non, 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 ce ne sont pas des drones avec un algorithme de psychopathe, mais des drones tueurs tout à fait normaux. Cette antenne est plutôt intimidante, je le conçois. Mais vous devez vous en approcher pour transférer le virus. Eh merde. Ne soyez pas timide. Elle a bien plus à craindre de vous que l'inverse. Ah, c'est compliqué. Albion a mis votre camarade derrière les barreaux. Donc tant que vous ne faites pas de grosses bourdes, vous êtes mon agent préféré aujourd'hui. Ouais, mais ça risque pas de m'arriver à moi, hein? Hein, Y? Se rendre sur les lieux de l'alarme. Thank you.
On y va. Je détecte des drones en approche. Des drones tennis? Non, ce ne sont pas des drones avec un algorithme de psychopathe, mais des drones tueurs tout à fait normaux. Le transfert du virus. Ne soyez pas timide. Elle a bien plus à craindre de vous que l'inverse. Allez. Faille de sécurité. Drone de renfort en route. Je le conçois, mais vous devez vous en approcher pour transférer le virus. Magnifique jeu de lumière. Je vous conseille de partir avant que quelqu'un ait l'idée lumineuse de vous oxyre. Oh vache. Oh, on va pas sauter là, hein. Alarme en cours, je répète, alarme en cours. Adresse envoyée, demandons à 10-13. Le projet de casse visant à lâcher des drones justiciers guidés par un algorithme social s'est retourné contre lui. Vous pensez qu'il a vraiment lu la moindre ligne de ces mythes grecs dont il voulait s'inspirer? Comment on fera pour le contrer la prochaine fois? Et la fois d'après? C'est Cass, le véritable problème. On doit réfléchir à un moyen de l'arrêter pour de bon. Ouais, sans compter que ce mec a une armée de drones et de soldats, et que la ville est pleine de débiles qu'il adore. Si on s'en prend à Cass de manière frontale, on va passer pour des terroristes, et on va rentrer dans son jeu. Bon bah du coup, on doit s'attaquer à sa réputation. Bugs et moi, on a quelques idées sur la marche à suivre. Rassemblez-vous quand vous fasse un briefing. Ok. C'est quoi le problème, là? J'en ai ma claque de ce boulot à la con. Je suis planté là toute la journée, dans cette saleté d'uniforme.
Vous avez vu comment il fait chaud? Vous vous rendez compte? Je suis en train de crever, moi. On pourrait me faire cuire un œuf sur les couilles. Et tout ça pourquoi? Il se passe jamais rien ici. Comment ça, il se passe jamais rien? Rien, il se passe rien. Ah bah si, une fois un pigeon mâché dessus. Ouais, super, super la journée. Et moi, je suis là avec de la viande sur la gueule, avec moins de trucs à faire que ma grand-mère dans son EHPAD. Vous êtes en train de devenir fou, mon vieux? Ben, j'en sais rien, justement. Ouais, je deviens fou. C'est cette putain de chaleur. J'ai pas signé chez Albion pour ça, moi. Moi, ce que j'aime, c'est l'eau. C'est quoi? Bon, allez, cette fois, je saute. Je m'en bats les couilles. Je vais enfin me débarrasser de cette putain de fringue. Allons-y. Ah. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Qu'est-ce qu'elle a comme mission? La forme, toi? Quoi de neuf? Je suis encore choqué par le labo à IA de Sky Larsen. Ouais. Elle a tué des gens pour vendre leurs esprits et transformer sa mère en cyber-majordome. C'est un truc de méchant de l'espace, quand même. C'est clair. Et c'est encore pire quand on pense que tous ces gens sont toujours là-dedans. Toutes les IA qu'elle a créées viennent d'un être humain en chair et en os. Un être humain pris au piège qui peut même pas mourir. Ils vont tous rester là pour l'éternité. Cool, merci. Ça, c'est le truc le plus flippant que j'ai entendu de ma vie. Je pourrais pas supporter du bandage virtuel comme ça. Si ça m'arrive, t'effaces mon disque dur, promis ? Ok. Allez. Albion confirme que les explosions observées dans le ciel londonien étaient bel et bien un projet de drone d'Albion saboté par des membres de DedSec. Dans un entretien exclusif avec GBB Radio One, le fondateur et PDG d'Albion, Nigel Cass, a déclaré ceci. En réalité, les pseudo-combattants pour la liberté de DedSec ont paralysé Londres. Ce projet de drone avait pour but de remplacer les agents d'Albion au sol afin que cette ville retrouve sa normalité. Mais maintenant, je ne peux pas abandonner le peuple. Ce n'est pas comme ça que je dirige. Cass a ensuite demandé que toute personne suspectée d'appartenir à DedSec soit considérée comme terroriste potentiel et signalée à Albion. Non mais le mytho! Il avait prévu de buter tous ceux qui se mettraient en travers de sa route et maintenant, genre, il se fait passer pour une victime? Et cela fonctionne! Pardon, trop d'enthousiasme. Et cela fonctionne. C'est mieux? Il est fort pour ça. Foutre la trouille aux gens et puis débarquer pour jouer les héros. Il faut qu'on montre à tout le monde son vrai visage. Donc son image, c'est aussi sa faiblesse. Si on la salit, il va s'effondrer. Justement, on a pensé à quelque chose. Bagley, tu leur montres? Voici Claire Waters, dissidente politique et podcasteuse, portée disparue après le teasing d'un épisode plutôt provocateur, jamais diffusé, par conséquent nous n'avons que ceci. Dans le prochain épisode des Flibustiers, je m'entretiens avec quelqu'un de l'entourage rapproché de Nigel Cass. Il m'a promis quelque chose qui prouverait que Cass est bel et bien un tyran. De quoi faire s'écrouler la White Tower. À la semaine prochaine, mes petits pirates. Nigel aurait démenti cette interview s'il avait pu. Si c'en est pris à Water, c'est que l'émission devait être explosive. On doit la récupérer. Claire diffusait apparemment depuis Freight One. Vous devriez commencer par chercher là-bas. Cette Claire Waters a l'air douée elle aussi pour jeter des pavés dans la mare. Albion est sa cible privilégiée, mais elle a également taclé la brillante Sky Larsen, les Sœurs et le clan Kelly. Éclectique, n'est-ce pas? Ouais. Imagine un peu les dégâts qu'elle pourrait faire avec l'aide de DedSec. On devrait la rencontrer, parler avec elle. Ça fait un moment qu'elle creuse dans les affaires de Cass. Si elle n'a pas déjà assez d'éléments pour lui coincer les burnes dans un étau, peut-être qu'elle se joindra à vous pour dénicher quelque chose. Allez, on y va. Par contre, on va peut-être pas faire celle aujourd'hui. On va faire... On va enquêter sur celui qui a kidnappé notre collègue. Ok.
Ok. Là, bah, il y a un tuyau. On va prendre ça. Le kidnappeur est tout prêt. Oh, et regardez-moi ça. Il s'est fait des nouveaux amis pas sympas. Avec un peu de chance, on trouvera l'emplacement de notre agent sur son optique. Allez, c'est parti. Alors... Là. C'est quoi ce bordel? Merde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit accès refusé. Mais c'est ton boulot, ce truc-là. Ah. Attends, c'est ça le c'est mieux. C'est chier. Putain, si en plus je dois faire ton travail. Ah, ok, bon, c'était rapide. Analyse GPS terminée. J'ai trouvé la position de notre agent en otage. Envoie-moi les coordonnées. Dans ce chantier là. Notre agent en otage se trouve ici. Méfiez-vous des barbares sur votre chemin. Oula. Bon. Et plutôt en dessous. Là. Fais ça sortir. Merci beaucoup.
Allez, viens là. Allez. Allez, on se barre. Oh, c'est pas vrai, il peut pas monter avec moi. Je ne vois personne vous poursuivre. Notre camarade est de retour en pleine forme. Et ah, Deadsec a mis en échec une nouvelle crapule. Au travail. Ok. Bon, on va cesser là, les amis. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour le référencement de la chaîne et pour ne rater de mes vidéos. Et on se donne rendez-vous donc pour une prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Allez, ciao, ciao.